Est-ce que vous avez envie de me faire un retour sur ce que vous avez vécu là sur cette journée où, on est encore dans l'approche, vous voyez, on a à peine donné un coup de sécateur. L'idée là, c'est peut-être plus de comprendre un peu comment ça fonctionne. Ce que j'espère, c'est avoir juste éveillé en vous un regard un peu différent sur le végétal. C'est-à-dire de dire, ah oui, mais en fait, ce que je le voyais sans le voir. J'avais pas la perception de cette idée-là, ne serait-ce que de colonie d'arbres, de réitération. Quand je suis sorti de la formation d'arboriste, j'avais à peine ces connaissances-là, cette notion-là. C'était pas évident non plus, comme vous aujourd'hui, c'est pas évident de le comprendre, de le sentir. Mais j'ai passé mon temps à risquer des accidents parce que je regardais tous les arbres sur la route, en fait. Le fait de comprendre, de dire, mais là, dis donc, c'est ça. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit plein de choses, notamment sur les arbres qui sont coupés que d'un côté et pas de l'autre, là comme le noyer là-bas, c'est des arbres qui sont, c'est des écoles, des vraies écoles. Vous pouvez avoir la solution à votre problème en regardant et dire, est-ce que je le taille, est-ce que je le taille pas mon arbre? Est-ce que je lui fais une taille un peu forte, est-ce que je le fais pas une taille un peu forte? Si vous avez dans le kilomètre autour un arbre qui a été taillé de cette manière-là, vous avez directement la solution. Vous voyez l'impact. Donc finalement, depuis des millions d'années, les arbres, ils évoluent sans nous. Donc on peut dire, un arbre, ça se taille pas. On peut partir déjà du principe que ça se taille pas. On ne peut pas se dire s'il agit, s'il réagit d'une certaine façon, c'est que c'est forcément bon pour lui. Et que après, c'est peut-être pas forcément bon pour notre objectif à nous. Oui, mais probablement. Il n'y a pas forcément le même objectif que nous, on a. Moi, j'aime bien cette vision-là, mais quand même, j'y rajouterais une nuance qui est que on plante des arbres pour nous, des arbres que l'on a sélectionnés, l'on choisit pour nous pour avoir du fruit, et que la nature, le problème, c'est un demi-problème. C'est-à-dire qu'un arbre qui a une écorce incluse, comme on a vu tout à l'heure, qui va s'ouvrir en deux et qui va tomber sur les autres végétaux à côté, et qui va à moitié végéter, c'est pas un problème pour la nature en soi. C'est dans une diversité globale et générale, sur tous les arbres qu'il y a, il y en aura un sur mille qui va vivre ça, et je dirais tant mieux pour les champignons lignivores, parce qu'il faut bien qu'ils aient à bouffer. Tout est parfait, mais pas forcément toujours comme on le souhaite, et pas toujours dans le sens où on le souhaite. Oui, et puis avec l'échelle de temps que l'on souhaite aussi. Oui, c'est là où je trouve l'intérêt de l'intellect et du positionnement de l'humain là-dedans, c'est que du coup, ben, on va pouvoir agir et on va pouvoir peut-être éviter d'éviter certains écueils qui, pour nous, à notre échelle, posent problème à notre production, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'on va contrôler, ça ne veut pas dire qu'on a intérêt à contrôler tout et à se substituer à l'architecture végétale. L'architecte, c'est lui, en fait. Et donc, on a juste un intérêt à l'accompagner dans son développement. C'est-à-dire, ben, peut-être, maintenant, apprendre à prendre le temps d'observer la manière dont il se développe avant de donner un coup de sécateur, quoi. Et comprendre que plus on intervient, plus il réagit. Bon, mais tout est possible. Tout est possible. Intervenir le moins possible et comme dit Jean-Marie Lespinasse, ben, le moins possible avec le sécateur. Essayez plutôt de travailler sur l'accompagnement ou l'anticipation des basculements et voilà. Ce système de fonctionnement hormonal, là, c'est bête, hein. On parle de deux hormones, de l'impact entre deux hormones, et en fait, ça nous permet de comprendre, si on rajoute ça, plus cette idée d'acrotonie, basitonie et de dominance apicale, en fait, ça plus donc et également les spots de fructification, est-ce qu'il va fructifier ici, est-ce qu'il va fructifier au bout, est-ce qu'il va fructifier uniquement sur des rameaux courts des années d'avant, plus sur des rameaux courts, plus sur des rameaux courts de 2 ans, plus au bout, c'est ça qui va nous donner, ces choses-là vont nous donner les solutions pour la taille après. Donc c'est un mix de ces choses-là. Donc la fructification, elle est le résultat des choix que l'on va faire sur cette architecture-là liée aux hormones
et au type de développement. Le reste, c'est que de l'accompagnement pour chacun et de la lumière pour faire maturer les fruits.